voulant pas écouter. Il a passé plus de 120 ans à prêcher la parole du Seigneur, mais il a sauvé seulement 8 personnes, ou du moins 7 personnes plus lui, ça fait 8. Il a prêché et personne n'a entendu sa voix. Mais il a quand même prêché la parole du Seigneur pendant 120 ans. Hey, ça c'est le record qui peut faire tomber n'importe quel prédicateur. T'imagines, tu as une église pendant 120 ans, il n'y a seulement que 8 personnes dans ton église. Et sur quoi? Des gens de ton église, des gens de ta famille plutôt. Ça peut vraiment te renverser. Probablement que Noé a dit à ses enfants, écoute, si vous ne rentrez pas dans l'arche, vous allez dormir dehors, vous n'allez plus avoir d'argent de poche. Mais tout est bon pour faire entrer quelqu'un dans la maison du Seigneur. Amen. Et là, la Bible enseigne justement que le déluge arrive. Et toutes ces personnes ont péri. Tous ceux-là qui se moquaient de Noé. Oh, Noé, on n'a jamais vu la pluie. De quoi tu parles? De toute façon, rien ne va arriver. Tu es devenu fou. Tu es tombé sur la tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous traite de fou? Parce qu'on est le pour Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Moi aussi. Amen. Bon, le frère aussi. Moi, on m'a traité d'extrémiste, de sectaire. On m'a traité de tout. De quelqu'un qu'on a lavé mon cerveau. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qu'on a lavé mon cerveau? On m'a traité de tout. Mais, gloire à Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aimer ces gens-là. Et de prier pour eux. Parce que Dieu les cherche aussi. Amen. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, Noé, probablement qu'il a été traité de fou, mais Noé a prêché la parole du Seigneur pendant 120 ans. Il a sauvé sa famille. Et la Bible enseigne que quand il est sorti justement de l'arche, il a fait quelque chose de très particulier. Il a établi un autel à Dieu. Quand Dieu nous sauve, mes frères et sœurs, nous devons établir notre autel à Dieu. L'autel, c'était quoi? C'était le lieu où Noé allait bâtir sa relation avec le Seigneur, où il allait donner des actions de grâce au Seigneur. Et la Bible enseigne justement qu'il a sacrifié des animaux qui sont, et l'odeur qui s'est élevée était une odeur agréable à l'Éternel. Ainsi, lorsque Dieu nous sauve, mes frères et sœurs, nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Nous devons bâtir notre autel avec l'Éternel. L'autel ici, je veux dire quoi? C'est tout simplement ta consécration, ta vie de prière, ta vie de lecture de la parole du Seigneur. En d'autres termes, ta consécration, ta relation avec le Seigneur. Je ne veux pas savoir quel est l'état de votre autel aujourd'hui, mais j'espère que chacun de nous, nous avons tous un autel qui est bâti chez nous à la maison. Parce que Dieu s'attend à ce que nous bâtissons notre autel, un autel. Vous savez, il y a l'autel commun, public, mais il y a aussi ce qu'on appelle ton autel personnel. Et c'est très important de le faire. Et c'est ce que Noé a fait. Et quand il a bâti l'autel, la Bible enseigne que Dieu va lui donner en d'autres termes une promesse. Dieu va établir une alliance avec lui. Dieu va lui donner le commandement. On va le lire dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc Dieu donne un principe et ici Dieu va établir ce qu'on appelle le premier gouvernement. Ici Dieu nous dit que tout homme qui commet un crime est bas. Il sera en d'autres termes tué aussi par un autre homme. Dieu commence à permettre à l'homme d'établir ce qu'on appelle la justice en d'autres termes. Donc toute chose, il dit je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. Très important. Donc c'est le premier gouvernement que le Seigneur va établir ici. Pourquoi?
Parce que Dieu a toujours eu, en d'autres termes, le désir de gouverner sur son peuple. Mais le Seigneur donne encore un autre commandement à Noé et à ses enfants. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous sur la face de la terre, répandez-vous sur la face de la terre. Et nous avons tendance des fois à voir cela comme étant comme naturel. Oui, il faut avoir des enfants. Et nous sommes des mères pentecôtistes. Nous avons beaucoup d'enfants. Nous sommes connus pour avoir beaucoup d'enfants. Et moi, je rends grâce à cela. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Allons de là, allons plus loin spirituellement. Le Seigneur veut que nous nous multiplions en d'autres termes. Le Seigneur veut que nous soyons en d'autres termes féconds. En d'autres termes, en tant qu'Église, nous devons être féconds, en d'autres termes, spirituellement. Nous devons, en d'autres termes, répandre cette bonne nouvelle à toute créature. Nous devons avoir des enfants spirituels. Nous devons évangéliser, en d'autres termes. Une église qui n'évangélise pas est une église qui va certainement mourir. Amen. Une église qui ne n'évangélise pas va certainement mourir. C'est logique. Quand tu te maries, tu aimerais avoir des enfants. C'est logique. Mais nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes mariés à Jésus-Christ. Ainsi, nous devons être féconds. Et c'est la volonté du Seigneur que nous nous multiplions. Ce n'est pas venu de nulle part, la vision d'avoir des églises partout. Pourquoi? Parce que nous voulons nous répandre sur la face de la terre. Nous voulons être féconds, en d'autres termes. Et le Seigneur est en train de donner le commandement à Noé, et à ses enfants, soyez féconds, multipliez-vous. Et en d'autres termes, personnellement, sois fécond, multiplie-toi en d'autres termes. Quand Dieu te sauve, lorsqu'il te sauve, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour gagner quelqu'un d'autre à lui. Amen. Ainsi, tu peux gagner quelqu'un, tu peux être fécond. Tu peux en d'autres termes te multiplier. Il dit pas additionner, il dit se multiplier. Et ça, c'est la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous prenions toute la terre. Nous devons être partout. Voilà pourquoi il y a des églises à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Laval et partout. Pourquoi? Parce que nous voulons être féconds. Mais la Bible enseigne justement qu'après les déluges, la Bible enseigne que les enfants de Noé, c'est à travers eux que le Seigneur va remplir toute la terre. Quand on va dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 32, la Bible dit ceci, que telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur toute la terre après le déluge. Donc, les enfants de Noé ont pris littéralement le commandement du Seigneur à la lettre, ils ont obéi, et la Bible dit que c'est d'eux que sont sorties toutes les familles qui se sont, toutes les nations qui se sont répandues sur la terre. Mais la Bible enseigne maintenant, dans Genèse chapitre 11, le passage que nous venons de lire justement, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et alors qu'ils sont partis, ils se sont trouvés où? À la plaine de Chinéa. Et la Bible dit qu'ils restent là, on va le lire, la Bible dit, allons, ils disent, ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Donc nous voyons quelque part justement un projet que l'homme va concevoir. Le projet est quoi? D'aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. Parce que dans Genèse chapitre 9, nous voyons que le Seigneur dit, soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous, remplissez la terre. Et nous voyons justement ce même peuple que Dieu a sauvé. Ils se multiplient, ils obéissent à Dieu, mais au moment de se répandre sur toute la terre, la Bible dit qu'ils vont concevoir le projet de rester ensemble. Ils disent, tu sais quoi? Faisons-nous une tour. Bâtissons quoi? Une ville. Pour ne pas être dispersés loin de la face de la terre. Écoutez, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose de très particulier. Naturellement, l'homme veut aller à l'encontre de Dieu. Naturellement, l'homme veut défier Dieu. Naturellement, l'homme ne veut pas faire ce que Dieu demande de faire. Naturellement, ta chair va toujours aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'il se multiplie. Le Seigneur veut qu'il se répande sur la face de la terre. Mais la Bible enseigne justement qu'ils se tirent l'un à l'autre. Donc, littéralement, ils se sont parlé. Ils se sont mis ensemble et ils ont conçu un projet purement diabolique, je peux le dire, parce que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu est
diaboliques. Amen. Ils se mettent ensemble et disent, on va faire tout simplement tout ce qu'il faut pour ne pas être dans la volonté. Amen. On va faire tout pour ne pas être dans la volonté du Seigneur. Et regardez ce qui se passe ici. Ils se disent l'un à l'autre. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose de très particulier avec ce qu'on appelle la communication. La communication, c'est l'un des moyens les plus puissants que Dieu a fait. Pour qu'un projet avance, pour qu'un projet marche, il faut que la communication entre les investigateurs de ce projet-là soit fluide. Amen. Regardez, on sent, on le voit beaucoup plus dans les pays en Afrique. Quand il y a coup d'État, quelle est la première des choses qu'ils font? Ils vont couper le téléphone pour que ceux-là qui font le coup d'État ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. Parce que la communication est très, très, très importante. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans un groupe ou dans quelque part et que la communication entre nous ne passe pas, laissez-moi vous dire que nous sommes sujets à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Les problèmes arrivent parce qu'il y a manque de communication. Les problèmes arrivent parce qu'on ne se communique pas, on ne se parle pas. Lorsque certains se mettent ensemble pour faire un problème, pour faire un projet qui n'est pas hors de la volonté du Seigneur, et d'autres sont là qui veulent faire la volonté du Seigneur, devinez qu'est-ce qui va arriver? Confusion totale. Problème après problème. Et Dieu le savait. Dieu sait qu'ils ont la même langue. Dieu sait qu'ils ont les mêmes mots. Dieu sait qu'ils sont capables de se comprendre. Et Dieu sait qu'il leur a donné ce qu'on appelle une intelligence. Dieu leur a donné la capacité de concevoir, en d'autres termes, des projets. D'ailleurs, ils vont concevoir le projet de bâtir une ville. Ils vont concevoir le projet de bâtir une tour. Écoutez, pour bâtir une tour, les ingénieurs vont vous dire, il faut d'abord concevoir le projet. Il faut d'abord le concevoir dans l'esprit et de le transposer de l'esprit au physique. Tu ne peux pas bâtir quelque chose sans l'avoir conçu déjà dans l'esprit. Voilà pourquoi quand tu n'as pas de projet dans la vie, des fois c'est difficile que Dieu même t'aide. Il faut avoir des projets dans la vie. Il faut concevoir quelque chose. Et eux, ils vont concevoir le projet de bâtir cette ville. Et là, le Seigneur, justement, commence à être fâché. Le Seigneur regarde ça de tout son trône, depuis son trône. Dieu est assis sur son trône. Et il voit sa créature qu'il a créée, il lui donne le commandement de se multiplier, de se répandre, en train de faire tout simplement, en train de concevoir des projets pour faire tout simplement ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Est-ce que vous savez que des fois ça nous arrive? Tu te mets avec quelqu'un ensemble juste pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Ça c'est diabolique. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Je refuse de m'associer à quelqu'un pour faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Si je m'associe à toi, c'est pour faire ce que Dieu veut. Amen. C'est pour faire ce que Dieu veut. Parce que si tu t'associes à quelqu'un pour faire ce que Dieu ne veut pas, devine ce qu'il va faire. Il va descendre et puis il va vous confondre. À un moment donné, il va parler un langage que tu ne comprends juste pas. Ou toi, tu vas parler un langage qu'il ne comprend juste pas. Ce peuple, ils sont mis ensemble pour bâtir cette tour. Ah, c'est pas cette tour. Pour bâtir une tour, ça veut dire qu'ils avaient une intelligence. Ça veut dire qu'ils étaient quand même bien organisés. Parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble, il faut quand même qu'on soit quand même bien organisé. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Il faut qu'il y ait une façon de fonctionner. Il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne des ordres. Voilà pourquoi Dieu, dès le début, lorsqu'il sauve Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut bâtir déjà son gouvernement. Il veut bâtir justement une société dans laquelle lui, il règne. Non l'homme qui règne de par sa propre volonté. Il veut régner justement sur nous. Mais l'homme va concevoir le projet. Et quand vous lisez la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte que d'où vient justement ce projet diabolique. Regardez Genèse chapitre 10, à partir du verset... Genèse chapitre 10, à partir du verset 6. La Bible établit quoi? La descendance de Noé. La Bible dit que Noé a eu combien de fils? Trois fils. Cham, Sem et Japheth. Et Dieu va ici justement élucider en d'autres termes la descendance de Cham. Regardez la descendance de Cham dans Genèse chapitre 10. Je ne sais pas si on peut la voir. Genèse chapitre 10, à partir du verset 6, la Bible dit les fils de Cham furent Couch,
Misraïm, Pout et Canaan, les fils de Cush, etc. Sautez, allons jusqu'au verset 8. La Bible dit, Cush engendra aussi Nimrod. Gardez ce mot dans vos têtes. Nimrod. Il engendra qui? Nimrod. Et la Bible dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. En d'autres termes, de la descendance de Noé, il y a eu quelqu'un, un de ses petits-fils, qui a commencé, en d'autres termes, à être puissant. La puissance et l'autorité a commencé à être en lui. Et vous allez voir, c'est qu'est-ce qu'il va utiliser comme autorité, justement, pour faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Regardez ce qu'ici la Bible dit. Il fut, au verset 9, un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Regardez ce que la Bible dit. Il régna d'abord sur Babel. C'est la ville que nous sommes en train d'étudier. Donc, Nimrod était en train de régner sur Babel. Donc, nous pouvons supposer que ce projet diabolique vient de Nimrod. Parce que c'est lui qui dominait sur ce peuple. Je vais vous dire une chose. Ça prend juste une personne pour contaminer tout le monde. Ça prend juste une personne pour donner des mauvaises pensées à une personne. Ça prend juste une personne pour influencer tout un groupe. Ça prend juste une personne pour influencer beaucoup de gens à ne pas faire la volonté du Seigneur. C'est un principe biblique. Comme par un homme, le péché est entré, par un seul homme, le salut est aussi entré. Ainsi, mes frères et sœurs, sachez une chose, tu influences quelqu'un autour de toi, mais j'espère que tu ne l'influences pas d'une façon négative. J'espère que tu l'influences d'une façon positive, à faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu dit, faites ça. Mais on va se mettre ensemble pour nous faire ce que le Seigneur ne veut pas. Nimrod a réussi, en d'autres termes, à contaminer tout le peuple. Et ils se sont parlé ensemble. Bâtissons-nous une ville. Dieu veut que nous nous dispersions. Dieu veut que nous soyons féconds. Dieu veut que nous grandissions en d'autres termes. Mais tu sais quoi? Et si on restait même ensemble? Si on restait ensemble, en d'autres termes, si nous tombons en d'autres termes dans notre zone de confort. Je connais des gens qui ont fait ça dans le passé. C'est l'église primitive. C'est les apôtres. Les apôtres étaient tombés dans la zone de confort. Est-ce que vous vous rendez compte que les païens sont rentrés dans l'église 10 ans après la Pentecôte? 10 ans? 10 ans après la Pentecôte. Corneille a reçu le salut, qui est le premier païen, a reçu le salut 10 ans après la Pentecôte. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est 10 ans après que le cher Corneille, qui cherchait Dieu de tout son cœur, Dieu va devoir sortir un ange? Peut-être que ce n'était pas ça le plan premier de Dieu. Le plan premier de Dieu, c'était probablement pas que... Écoutez, vous savez quoi? Si on n'évangélise pas, bah Dieu va évangéliser lui-même. Il peut sortir un ange pour aller dire à cette personne, bon, va te appeler telle personne qui va venir te dire ce que tu dois faire. Amen. Et là, ils vont concevoir, en d'autres termes, le projet justement de faire ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et là, Dieu regarde, Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le fait qu'ils ne font pas ma volonté? Et je me pose souvent la question, pourquoi nous avons du mal à voir la vision de Dieu ou à faire la volonté de Dieu? Parce que des fois, la chair, naturellement, va aller toujours à l'encontre de l'esprit. Amen. C'est naturel. Ainsi, voilà pourquoi il nous dit, il nous donne son Saint-Esprit. Pour que nous puissions connaître sa volonté et faire sa volonté. Amen. Parce que je veux vous dire une chose. Des fois, je l'ai déjà enseigné, pasteur l'a enseigné aussi, notre affinité, des fois, je trouve ça difficile que souvent, l'affinité, c'est comme si c'est beaucoup plus lourd que l'appel de Dieu. L'affinité, souvent, nos affinités sont souvent trop fortes. Mais je pense que des fois, pour être beaucoup plus efficace, il faut couper certaines affinités. C'est ce que je crois. Et je crois que c'est biblique. Pour être efficace, il faut couper certaines affinités. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas seulement dans le ministère, je ne parle pas seulement que dans le travail de Dieu, mais je parle même que dans ta vie de famille.
dans ta vie de famille, quand tu vas être, bon, je suis marié, je sais de quoi je parle, mais je veux vous dire une chose. Si vous êtes marié, il y a certaines relations que tu ne peux pas avoir avec certaines personnes. Il faut que tu coupes pour être beaucoup plus efficace dans ta vie de famille. Amen. C'est très important. Et là, ils se disent, non, on est ensemble. On ne peut juste pas se disperser. Probablement qu'il y avait peut-être Nimrod. Nimrod avait des amis peut-être qui se disaient, non, écoute, moi, toi, tu es mon meilleur conseiller. On ne peut quand même pas se séparer. Mais Dieu dit, je veux que vous vous répandiez. Je veux couvrir toute la terre. Cette terre doit entendre parler que je suis Seigneur. C'est vous qui allez être ma voix. C'est vous qui allez être mes pieds. Vous allez être mes bras. C'est vous que je veux utiliser, littéralement. Et Nimrod probablement voit en d'autres termes le groupe, il se dit, mais aïe, on ne peut pas faire cela. Et il voit en d'autres termes que groupe là, s'il y a peut-être répand, il se répand sur la terre, comment il va perdre en d'autres termes ses privilèges. Et il conçoit le projet de faire quoi? Il va contaminer le peuple. Ne nous séparons pas. Mais bâtissons-nous une tour, bâtissons une ville et restons-y ensemble pour ne pas être dispersés sur la face de la terre. Parce que ce que je dis est faux, c'est dans la Bible. Écoutez, ne permettez pas à l'esprit de Nimrod d'entrer dans vous. Parce que Nimrod était puissant. Le diable, je n'ai pas envie de dire qu'il est puissant, mais laissez-moi vous dire que le diable est malin. Et il peut nous avoir facilement. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable, soyez sobre, restez vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. La vigilance, c'est que tu marches mais vraiment en faisant attention. Tu marches en disant, non, 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 diable, tu n'entres pas en moi. Tu n'entres pas dans ma famille. Tu n'entres pas dans ma famille. Je suis vigilant. Parce que je protège ce que Dieu m'a donné. Parce que je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Écoutez, toutes les catastrophes que vous voyez dans la Bible, c'est parce que l'homme n'a pas été vigilant à un moment donné. Dieu a donné le jardin à Adam de le garder et de le protéger. Mais il n'a pas été vigilant. Un esprit maléfique, diabolique est entré. Voici le chaos que ça a donné. Si tu n'es pas vigilant, tu peux tout perdre. Ça prend juste un peu d'inattention et tu perds tout. Tu perds tout ce que tu as bâti. Mes frères et sœurs, nous devons rester vigilants. Et là, ils vont d'abord faire, justement, on va faire d'abord une ville. Dans ce passage, il y a deux mots-clés. Une ville. Qu'est-ce qu'une ville? Qu'est-ce qu'une ville? Une ville, c'est un lieu de rassemblement. Amen. Un endroit où ils vont se regrouper pour faire tout simplement ce que Dieu ne veut pas. Je vais vous dire une chose. Je vous en prie, ne me comprenez pas de travers. Je vous en prie, ne me comprenez vraiment pas de travers. Je ne suis pas un agent de séparation, non. Mais je veux vous dire une chose. Si des gens se mettent ensemble pour faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, je ne peux pas m'associer à eux. Je refuse cela. Et je veux vous dire pourquoi. Parce qu'il n'est pas seulement question de moi. Parce que j'ai une femme et des enfants. Et ma seule façon de les protéger, c'est de faire tout ce que Dieu m'avait demandé de faire. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle à avoir une famille bénite qui marche dans les voies de Dieu. Il n'y a pas de solution miracle. C'est juste faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Fais tout ce que Dieu te demande. Certaines personnes viennent voir, oh pasteur, prie pour moi, j'ai telle situation dans ma vie. Ne prenez pas les pasteurs comme des marabouts. Non. Le pasteur n'a pas des solutions miracles. Le rôle du pasteur, c'est de t'amener vers la parole de Dieu. Si tu fais la parole de Dieu, ton problème va être résolu.
Je n'ai pas de solution miracle. Et il y a certains qui viennent, oh, prie pour moi, il y a telle, telle situation pour moi dans ma vie. Ok. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Moi, je ne fais pas comme ça, comme frère Brigitte. Puis les gens tombent. Ça ne m'intéresse même pas, ça. Mais fais la parole de Dieu. Répands-toi de tes péchés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais dans ta vie qui ne plaît pas à Dieu? Arrête ça tout de suite. Répands-toi et vis pour Dieu. Et tu verras que ton problème va tomber tout seul. Amen. Très important. Et là, ils vont faire cette ville. Mais ils vont faire quelque chose aussi qu'on appelle une tour. Et j'ai regardé un peu le mot hébreu, le mot tour. Le mot tour en hébreu, c'est le mot migdal. Comment? Migdal. Migdal en hébreu. Et regardez ce que ça veut dire. J'ai pris la main. Ça veut dire un étage surélevé, une chair. Ici, c'est une chair. Ou un lit élevé. En fait, littéralement, quelque chose qui est élevé. Donc, ils avaient le projet de s'élever par eux-mêmes. Amen. Ils veulent s'élever par eux-mêmes. Ils voulaient faire une tour. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. La Bible dit, dans le psaume 61, que le Seigneur, l'Éternel, est notre tour. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer ici. Dans le psaume, David est en train de nous révéler que, en fait, la tour, bah, c'est l'Éternel lui-même. Psaume 61, à partir du verset 1, au chef des chantres, sur instrument à cordes de David, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre, David dit. » Et au verset 3, il dit, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. » David est en train de dire que devant l'ennemi, bah, mon lieu élevé, bah, c'est l'Éternel. En face de l'ennemi, je monte sur une chair qui est l'Éternel. En face de l'ennemi, je monte sur un étage élevé qui est en fait l'Éternel. Le peuple était en train de dire à Babel, nous ne voulons pas de l'Éternel comme tour. On va bâtir notre propre tour pour nous élever lorsque l'ennemi viendra. Mais David est en train de dire ici, qu'en face de l'ennemi, bah, l'Éternel est ma tour. En d'autres termes, j'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de bâtir ta tour. Mais l'Éternel est ta tour. L'Éternel est ta tour. Je n'ai pas besoin de telle situation lorsque je passe par des problèmes difficiles. Mais l'Éternel est ma tour. Il déclare dans sa parole que quand bien même ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Le peuple n'avait pas compris que Dieu était leur tour. Le peuple n'avait pas compris que le Seigneur voulait être leur roi. Ils n'avaient pas juste compris que le Seigneur voulait gouverner sur eux. Le Seigneur voulait les diriger. Voilà pourquoi il leur donne le commandement de se répandre, de se multiplier, d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais eux, ils disent que non, tu sais quoi? Non, ma zone de confort, c'est que je suis quand même très proche de d'elle. Nous parlons de toute façon la même langue. Je ne peux pas me séparer de lui. Nous sommes tous ensemble. Mais l'Éternel est en train de dire, répandez-vous sur cette terre. Mais je veux vous dire une chose. Mieux vaut la volonté du Seigneur que ma propre volonté. Et vous savez quoi? Des fois, la difficulté, ce n'est pas à détrôner le diable de nos vies. Mais certains détrônent le diable de leur vie. Mais ils ne permettent pas à Dieu de s'asseoir sur le trône de leur vie. Eux-mêmes, ils montent, ils s'attraient, ils s'asseyent sur ce trône. La volonté de Dieu avant tout. C'est ça qui compte. Ça ne fait pas plaisir des fois lorsque Dieu arrive et dit « Ok, fais ça. » Mais vous savez quoi? Vaut mieux faire la volonté du Seigneur que de faire ta propre volonté. Parce que si tu fais ta propre volonté, le fruit de cela, c'est une pleine et pleine confusion. Et j'ai vu beaucoup de gens tomber comme ça dans cette situation. Dieu leur dit « Fais ça. » Ils font autre chose. Confusion totale. J'ai vu des gens que Dieu a bénis d'une façon extraordinaire. À un moment donné, ça a gonflé. Ils ont voulu faire leur propre volonté. Devinez qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tout perdu. Les théologiens disent, je disais dans le livre, ils disaient que ça a pris à peu près 100 000 personnes pour bâtir la tour. Une vingtaine d'années. Pour rien. Parce que Dieu va tout perdre. À quoi ça sert de bâtir quelque chose pour rien? À quoi ça sert de te mettre dans un projet
qui va tomber à l'eau. Amen. Arrête de bâtir ta tour. Il y a ton voisin, ne bâtis pas de tour. Parce que l'Éternel est ta tour. L'Éternel est notre tour forte. Écoutez, lorsque l'ennemi vient, je n'ai pas de solution miracle. Mais vous savez quoi, j'ai une tour forte. Qui est le Dieu vivant. Certes invisible, mais puissant. Il a l'air. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais moi je sais qu'il est là en ce moment. Écoutez, le Dieu qui est avec Moïse, c'est ce même Dieu qui est là en ce moment. Écoutez, lorsque la situation arrive, mets-toi à genoux. Éternel des armées, tu es ma tour forte. Un autre déluge arrive. Tu vas être ma tour. Tu vas être l'endroit, le lieu élevé sur lequel je vais monter. Parce que je veux faire ta volonté. Je veux faire la volonté du Seigneur. Quand vous faites la volonté du Seigneur, tu vas certainement être béni. C'est très important. Bâtissons-nous une tour. Regardez ce que la Bible dit dans le Proverbe, chapitre 18, verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et j'aime beaucoup comment l'écrivain du Proverbe dit ceci. Il dit, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel, et quel est ce nom? Jésus. Aïe, 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 aïe. Le nom de l'Éternel, quel est ce nom? Jésus. Jésus. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Voilà pourquoi ils disent, faisons-nous une tour pour se faire un nom. Ils ne voulaient pas le nom de l'Éternel. Mais la Bible est en train de me dire ici que l'Éternel est ma tour. Et que son nom est ma tour aussi. Donc littéralement, le nom de l'Éternel, c'est lui-même. Écoutez, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, alléluia, laisse-moi te dire que quelque chose se passe. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ lorsque les situations sont difficiles, quelque chose se passe. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ lorsque tes enfants sont malades, laisse-moi te dire que quelque chose se passe. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ alors que tu passes par des problèmes financiers, laisse-moi te dire que quelque chose va se passer. Écoutez, je me rappelle ce jour où mon fils Emmanuel était malade, il avait des coliques, il commençait à crier. Mon fils, il ne crie pas trop comme ça le soir. Il commençait à crier, il criait et c'était bizarre. Ma femme me dit que non, c'est bizarre, le petit il crie pas comme ça. Et nous rentrons dans la chambre des couchers, le petit il crie. Et le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit, sors et va prier. Et là je sors, je vais au salon et je commence à marcher comme d'habitude. Et je commence à prier, je commence à parler en langue. Je commence à prier pour lui, Seigneur, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ta parole déclare, en ton nom, les malades sont guéris. Guéris le petit, guéris mon fils. Pourquoi? Parce qu'il va te servir. Je prophétise déjà dans ta vie, il va te servir. Voilà pourquoi je dis, vous devez mon petit sur votre situation. Vous devez parler sur votre situation. Vous devez dire que non, je refuse cette situation. Écoutez, tu peux plaider avec Dieu et gagner. Tu peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Je refuse cette situation. Et je te dis qu'au nom de Jésus-Christ, ça va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu, des fois, va permettre certaines situations dans nos vies pour voir jusqu'à quel niveau tu es prêt à aller. Mais je veux vous dire une chose, tu peux plaider avec Dieu. Je dis, Seigneur, il va te servir. Emmanuel va d'ailleurs, il porte même ton nom. Il va te servir. Et là, je rentre dans la chambre et je prends le petit. Et le petit est encore en train de crier. Il crie, 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 crie. Et sur le coup, le Saint-Esprit dit, invoque le nom de Jésus-Christ. Et je dis, au nom de Jésus, Jésus, Jésus. Le petit s'est calmé. Le petit a dormi toute la nuit et même la journée qui suivait. Il n'avait jamais dormi comme ça. Il s'est réveillé juste une seule fois dans la nuit. Amen. Écoutez, si au nom de Jésus-Christ, des choses comme ça peuvent arriver, qu'en est-il de nous lorsque nous sommes baptisés par le nom de Jésus-Christ? Écoutez, ne pensez pas que ceux qui ne veulent pas le nom de Jésus, ça a commencé juste maintenant. Ça, c'est l'esprit de Babel. C'est en fait l'esprit de Nimrod. C'est cette personne puissante dans ta vie qui est capable de t'influencer à faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais au nom de Jésus, Nimrod, tu tombes. Il a été capable d'amener tout un peuple à faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Il n'y en avait pas quelqu'un qui pouvait se lever et dire au nom de Jésus-Christ, Nimrod, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Écoute, quelqu'un vient te voir, faisons ceci. Ah non, pas. Dieu me demande de faire ça. Dieu me demande de m'impliquer ici, de faire ça. Est-ce que je mens?
C'est juste biblique ce que je suis en train d'enseigner. On vient te faire, te donner, écoute, ben, Dieu me dit de faire ça. Écoutez, j'ai lu un passage dans le livre de Jérémie cette semaine. Je vous assure, j'étais au travail, j'ai lu le passage, j'ai eu peur. J'ai eu très peur de la parole du Seigneur ce jour-là. J'en parlais avec un homme de Dieu, j'étais à la maison, j'étais au téléphone, et quand j'ai dit le verset, ma femme me fait, oh, vous ne voulez pas s'entendre ce verset? Oui. Vous voulez l'entendre? Oui. Ce verset est très puissant et très dangereux. Vous voulez l'entendre? Oui. Vous voulez l'entendre? Oui. Vous voulez l'entendre? Oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit, malheur à celui qui fait les choses de Dieu avec négligence. J'ai voulu fermer la Bible. Parce que je sais que je suis dans ce cas. Ça m'arrive des fois de négliger certaines choses de Dieu. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Je veux bien le faire. Je n'ai pas le verset en tête, mais je peux vous le retrouver. C'est peut-être ceux qui sont à l'arrière dans leur chapitre, ils peuvent le retrouver. Mais j'ai peur ce jour-là. Et là, ils disent qu'on va bâtir notre tour. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur va descendre pour confondre les gens. On va le lire, Genèse chapitre 11. La Bible dit au verset 5, que l'Éternel descendit pour voir la terre, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes de Dieu. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. En d'autres termes, ils ont la capacité de faire ce qu'ils ont, projeté de faire. Le Seigneur dit, ils forment un seul peuple. Ainsi, ils vont réussir à faire le projet qu'ils ont conçu de faire. Le Seigneur est en train en même temps de donner un principe ici, que lorsque nous sommes un dans quelque chose, nous allons certainement réussir. Même dans le mal. Ah, frère, ils ont dit, Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Est-ce que je mens? C'est pas moi qui. C'est ça, c'est Jérémie. Il y en a qui vont dire, ah non, c'est Jérémie qui le dit, c'est Jérémie. Mais écoutez, Jérémie est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, prenons ceci au sérieux. Soyons sérieux. Pardonnez-moi vraiment, j'espère que je ne suis pas trop dur. Mais c'est comme du feu qui sont enfermés dans mes os. Et aussi, je me suis dit, je ne vais jamais enseigner dessus, je ne vais jamais parler de ce passage, mais ça sort. Parce que quand j'ai vu ce passage, j'ai vu ça, j'ai eu très peur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu vas me frapper? Et là, le Seigneur descend, littéralement. La Bible dit qu'il est descendu. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est descendu, ça veut dire qu'il était où? En haut. Ça veut dire qu'il a quitté sa gloire. Le Seigneur était probablement assis sur son trône. Il a quitté ce trône. Il est descendu sur terre pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et l'Éternel descendit pour voir leur projet. Qu'est-ce que tu projettes aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tes projets sont à la volonté de Dieu? Dieu veut que tu fasses sa volonté. Et si tu connais la volonté du Seigneur ce soir pour toi, mon frère, ma soeur, de grâce, fais l'œuvre de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que ce que tu fais qui n'est pas dans la volonté du Seigneur va certainement te conduire à la ruine. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu du temps. Ils ont probablement perdu. Des hommes sont morts dans la construction de cette tour. Ils ont perdu probablement de l'argent. Ils ont perdu leur temps. Et par-dessus tout, ils sont arrivés à rien. À quoi ça sert de perdre 20 années de ta vie? T'imagines, pendant 20 ans, tu bâtis quelque chose pour rien. Voilà pourquoi la Bible dit que ceci, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? En fait, cette personne a passé toute sa vie pour gagner le monde. En fait, il a sacrifié son âme pour gagner le monde. Amen. C'est très important. Ainsi, mes frères et sœurs, faisons la volonté du Seigneur. Le Seigneur va descendre au verset 5. Il dit ceci, et l'Éternel dit, voici qu'ils forment un seul peuple et une seule et même
parce qu'ils ont tous la même langue. Vu qu'ils parlent la même langue, ils vont réussir à se communiquer de leurs projets et ils vont réussir. Et le Seigneur est en train de te montrer un principe ici, que lorsque les gens sont unis, ils vont certainement réussir leur projet. Ainsi, si un peuple uni dans le mal était prêt à réussir à faire des projets qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, qu'en est-il alors de nous qui sommes unis dans la maison du Seigneur? Qu'en est-il de nous qui sommes unis sous la bannière du nom de l'Éternel? Qu'en est-il de nous qui sommes unis sous le nom de Jésus-Christ? Nous allons juste accomplir de grandes choses. Et si je suis là pour dire à certaines personnes, donnons-nous la main les uns les autres. Je vous assure, nous ne faisons rien par esprit de parti. Donnons-nous la main les uns les autres. C'est comme ça que nous allons réussir. Dieu a fait le projet, il a fait ce principe. Tu ne pourras jamais réussir tout seul. Écoute, essaye. Tu ne vas jamais réussir tout seul. Impossible. Il a fait de telle sorte que j'aurai toujours besoin de Sylvio. J'aurai toujours besoin de Maman Nicole. J'aurai toujours besoin de la sœur Becky. J'aurai toujours besoin de chacun de vous. J'aurai toujours besoin de certaines personnes que je n'imagine même pas. Tu aurais même peut-être même besoin de certaines personnes qui sont dans le monde. Écoutez, est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Non, c'est juste un principe biblique. Nous devons être unis dans la cause de Dieu. Nous devons nous tenir la main ensemble pour faire l'œuvre du Seigneur. Et il va faire de grandes choses avec nous. Si nous nous mettons ensemble pour faire sa volonté, devinez quoi, qu'est-ce qu'il va faire? De son trône, il va juste descendre l'onction. Mais si nous nous mettons ensemble pour faire ce qui n'est pas de sa volonté, de son trône, il se lève et il descend et il confond. C'est un Dieu comme ça qui confond tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Quand quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, devinez qu'est-ce qu'il fait? Il gâte tout. Il gâte tout. Je me rappelle quand je me mariais. Quand je me mariais, j'avais peur. Je dis, mais je suis en train de m'engager dans quelque chose de très sérieux. Mais c'est fini. Et là, j'ai dit, Seigneur, et en fait, j'avais juste une assurance. Si c'est la volonté de Dieu, ça va juste être béni. Et je suis béni le Seigneur, je bénis le Seigneur parce que c'était la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas dans la volonté du Seigneur? Le Seigneur te dit ce soir, ne bâtis pas de tour. Je veux être ta tour. Je veux être la personne sur qui tu vas t'appuyer. Je veux faire tout ce que... Je veux juste que tu fasses ce que je te demande. Et moi, je vais m'occuper de tes affaires. Dieu descend. La Bible dit qu'il a confondu tout. Un beau matin, quelqu'un se lève et il dit « Good morning ». Et son voisin dit « Good morning ». Et son autre voisin dit « Ah, comment on dit, maman, comment on dit « Bonjour ». Dit pas à voir. Quelqu'un dit « Dit pas à voir ». Quelqu'un dit bonjour. Bonjour. Esther, comment dit bonjour en swahili? Ok, le Seigneur est bon. Mon frère, comment dit bonjour en québécois? Bonjour. Bonjour. Quelqu'un dit bonjour. Ah, comment dit? Ah, jambou. Jambou. Comment dit bonjour en créole? Bonjour. Bonjour. Mais en version créole. Et ils ne se comprennent pas. Ils disent, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais je ne comprends juste pas ce que tu me dis. En fait, ils ne se comprennent juste pas. Et la seule façon pour le Seigneur d'arrêter ce projet, c'était quoi? C'était de confondre en tout cas leur communication. Et lorsque le Seigneur a détruit la communication, la Bible dit qu'il les a répandus sur la face de la terre. Allez faire ma volonté. En d'autres termes, la volonté du Seigneur est quand même arrivée. Mais avec un mal, un principe sur lequel je m'appuie beaucoup. Ma femme le dit souvent, quand il y a des choses difficiles à la maison, elle dit souvent, Dieu aura sa volonté. Dieu va avoir sa volonté. Il y a ton voisin, Dieu va avoir sa volonté. Dieu va avoir sa volonté. Maintenant, à nous de décider. Si nous faisons sa volonté, il va avoir sa volonté et ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour nous. Mais si nous ne faisons pas sa volonté, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir sa volonté.
va être une malédiction pour nous. Le chaos. Il va avoir sa volonté. Dis à ton voisin encore, Dieu va avoir sa volonté. Et c'est nous qui allons décider si ça va être bénéfique ou pas bénéfique. Et ça, ça a été le début des nations. Ça a été le début des nations. Tels se retrouvent dans telle nation, ils se sont répandus partout et ils ne se comprennent plus. Ils ne se comprennent plus. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ok, je vous ai béni, vous parlez la même langue. J'imagine, tu arrives au Canada pour étudier, tu viens d'étudier, vous parlez la même langue, tu vas pour chercher le travail, on va te demander si tu es bilingue. Ça aurait été bien, hein? Que tu vas en Chine, vous parlez tous la même langue. Tu vas en Inde, la même langue. Tu vas partout. On me disait tantôt, là, c'est quoi, c'est la sœur Agnès qui me disait qu'hier, au Cameroun, il y a 600 dialectes. 600 dialectes. Comment on fait pour communiquer avec tous ces gens? Voilà pourquoi dans nos écoles en Afrique, on est obligé d'adopter une autre langue officielle, le français. Parce qu'on ne peut pas juste se comprendre avec 600 dialectes. Ça, c'est une malédiction. Est-ce que je mens? C'est vrai. Comment tu es dans un pays avec quelqu'un et vous ne vous comprenez pas parce que vous prenez des langues différentes? Toutes ces langues, c'est le produit de confusion. C'est le produit d'un projet diabolique de faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. Dieu dit, tu sais quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez parler telle langue. Vous allez faire telle langue. Vous n'allez pas comprendre. Et Dieu va tout disperser. Moi, je crois ceci, que si tu es avec, si tu ne fais pas la volonté du Seigneur avec quelqu'un, à un moment donné, vous n'allez pas, ça va être une achita, parce que vous n'allez plus vous comprendre. Mais pendant que Dieu est en train de disperser, la Bible justement nous montre que plusieurs années, plusieurs siècles plus tard, Dieu va choisir encore la même langue pour unifier le peuple. Qui voit de où je pars? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Dieu dit parfait, je choisis ce jour, je veux vous baptiser d'un esprit. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, les apôtres, ils étaient tous ensemble assis dans le même lieu. Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble assis dans le même lieu. Mais la Bible ensemble qui se fit entendre du ciel, un bruit comme celui de vent impétueux. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues. On va le lire. Actes chapitre 2 et j'ai bientôt fini. Actes chapitre 2. À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, Dieu ne va pas tenir compte, en d'autres termes, du français que tel parle, de l'arabe que tel parle, de telle langue que tel parle. Dieu dit, je veux vous baptiser d'un esprit, en d'autres termes, mon esprit. Je viendrai habiter en vous. Et la Bible déclare qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. À Babel, Dieu va donner en d'autres termes la confusion. Mais laissez-moi vous dire que le jour de la Pentecôte, Dieu va unifier à travers la langue. Ainsi, Dieu va naître, va faire naître un peuple, une église en d'autres termes, qui parle une seule et unique langue. Voilà ce que pourquoi la Bible déclare que peu importe notre nationalité, peu importe d'où nous venons, alléluia, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous formons un corps. La Bible dit que nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un corps. Et quel est ce corps? Le corps de Jésus-Christ. Ainsi, peu importe ta nationalité, peu importe le pays d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, si tu es baptisé de ce Saint-Esprit et que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu fais partie de cette nation céleste qui est en train d'aller justement en direction vers le ciel. Le Seigneur est en train de dire, oui, à Babel, j'ai détruit. Pour moi, qu'ils ont vécu comme ça pendant plusieurs années. Mais laissez-moi vous dire que plusieurs années plus tard, alors que les apôtres étaient assis justement dans la chambre haute, pour moi qu'ils étaient en train de prier, je ne sais pas de quoi ils étaient en train de prier, pour moi qu'ils étaient en train de prier justement que le Seigneur envoie des ouvriers, en d'autres termes,
pour l'église naissante. Peut-être qu'ils étaient en train de prier que le Seigneur les fortifie afin qu'ils puissent annoncer l'évangile. Mais la Bible déclare que tout à coup, alléluia, j'aime beaucoup le tout à coup. Écoutez, c'est bon quand les choses arrivent tout à coup. C'est bon que quand tu marches comme ça, paumé dans ta vie et tout à coup, bam, quelque chose t'arrive qui te sort de ta galère. C'est bon quand tu marches et que tu as un problème financier, bam, tout à coup, la bénédiction financière arrive. C'est bon quand tu marches et que tu es malade. Bam, tout à coup, la guérison arrive. Tu sors de ta situation. Mais la Bible déclare que tout à coup, le jour de la Pentecôte, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Les 120 qui étaient justement dans la chambre haute, ils se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible dit que des langues de feu. Ouh, des langues de feu leur a apparu. Je ne sais pas s'ils ont une image. Des langues de feu. Ce n'est pas l'image que vous allez voir, mais des langues de feu leur a apparu. Moi, je crois que littéralement, il y avait du feu en d'autres termes, en forme de langue qui était en train de tomber en d'autres termes sur eux pour dire justement au peuple. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi en d'autres termes, le Seigneur a fait ce bruit en d'autres termes pour probablement attirer l'attention des gens qui veulent de retour. Mais la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait des juifs, mais aussi il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui étaient justement sur la face de la terre. C'est dans les Écritures, Actes chapitre 2, verset 5, la Bible dit, « Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, virgule, et aussi des hommes pieux, doux, de toutes les nations. Ils sont revenus ensemble, en d'autres termes, ils sont venus ensemble pour adorer le seul et vrai Dieu. » Dieu dit, « Parfait, j'attends le jour où toutes les nations sont réunies ensemble. » Je vais faire descendre mon Saint-Esprit. Oui, le jour de la Pentecôte, il a attendu. Probablement que Dieu savait que, oula, probablement qu'il y avait probablement un Africain qui était à Jérusalem. Probablement qu'il y avait un Arabe qui était à Jérusalem. Probablement qu'il y avait un Haïtien à Jérusalem. Probablement qu'il y avait un Camerounais à Jérusalem. Probablement qu'il y avait un Italien à Jérusalem. Probablement que, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait des hommes pieux de toutes les nations. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, où ça? À Jérusalem. La Bible dit justement, oh, il y avait à Jérusalem des gens, des Juifs, et il y avait aussi des hommes pieux de toutes les nations. Tu dis, parfait, je vais arranger ce que j'ai fait à Babel. Je vais l'arranger le jour de la Pentecôte. Ainsi, mon frère, ma soeur, si tu es à Babel, aujourd'hui c'est ta Pentecôte. Dieu veut te faire entrer dans une nation, l'unique nation qui est destinée pour le ciel. L'unique nation qui n'est pas une nation qui est composée d'une simple et seule nationalité, mais une nation qui est composé de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations de la terre. Peu importe qui tu es, peu importe ta richesse, peu importe ton niveau de pauvreté, peu importe ton éducation, peu importe la couleur de ta peau, peu importe qui que tu sois, tu as de la place dans la nation de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, ne soyons pas. Ne regardons pas une nationalité en disant eux ils sont comme cela. Mais regardons-nous avec les yeux de Dieu, avec beaucoup d'amour. Parce qu'ils ont autant la place dans le royaume que nous. Est-ce que vous vous rendez compte que les Juifs ont regardé les païens, les nations, pendant des milliers d'années comme des impurs? Ils les ont regardés comme des impurs. Malheureusement, cette même esprit commence à rentrer aussi dans l'église. On est tellement ensemble qu'une nouvelle personne va arriver. On a même de temps pour cette personne-là. C'est l'esprit de Babel. On est tellement ensemble qu'une personne vient même pour se faire baptiser. Alors que je me rappelle ce temps où nous venons, où nous avons rencontré Jésus. Je me rappelle de ce temps-là où le frère Achille m'a invité à l'église. Je me rappelle de mon baptême. J'étais choqué de voir tant de personnes devant là, devant moi. J'ai dit, mais qui suis-je? Je sors du baptême, tout le monde me félicitait. J'ai dit, mais on ne connaît personne. Je vois tout le monde qui vient, qui me prend dans ses bras. J'étais choqué de cet amour-là. J'étais choqué de voir certaines personnes qui ne me connaissent même pas, qui veulent des mamans, qui veulent me prendre dans leurs bras. Mon fils, vraiment, je suis très content. J'ai appris que tu étais musulman. Oh, que Dieu te bénisse. J'ai tellement reçu de bénédictions ce jour-là. J'ai vu des mamans qui m'ont pris dans leurs bras. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ça, c'était l'esprit de la Pentecôte. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en train de retourner à Babel si nous ne faisons pas attention.
David est né le jour de la Pentecôte. David est né le jour, et il est mort le jour de la Pentecôte. Je veux l'esprit de la Pentecôte. Je refuse l'esprit du monde et l'esprit de Babel. Je refuse de me comprendre avec quelqu'un. Si quelqu'un entre dans cette maison, alléluia, dans la maison de l'Éternel, qui est la maison de son Père, il doit recevoir l'amour que nous avons reçu. Amen. Et je dois vous dire que si j'avais reçu, en d'autres termes, le mépris lorsque je suis revenu dans la maison du Seigneur, je ne sais pas si je serais revenu encore dans la maison du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, si nous sommes un peuple de Dieu, si nous avons l'esprit de la Pentecôte, lorsque quelqu'un viendra dans la maison du Seigneur, il recevra l'amour de Dieu. Nous allons le prendre dans nos bras. Nous allons lui montrer que toute notre attention est sur la personne. Je suis des fois souvent choqué de voir certaines personnes qui viennent pour répéter le nom de Jésus-Christ. Alors, et de certaines personnes qui ont reçu beaucoup d'amour, qui ne sont pas capables de donner ce même amour à certaines personnes qui viennent et qui ont besoin de cet amour. C'est triste. C'est triste. Les gens se soucient peu de ce que tu leur dises jusqu'à ce que tu leur montres que tu es intéressé à eux. Est-ce que je mens? Non. Tu dois. Écoutez, des fois c'est par l'amour. C'est même pas par le discours qu'on va gagner quelqu'un à Dieu. C'est parce que tu montres que tu l'aimes, tout simplement. Amen. Jésus a aimé le peuple. Jésus a aimé le monde. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, littéralement, qu'il a donné sa propre chair, en d'autres termes, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Écoutez, c'est l'amour qui va sauver ce peuple. Si vous voulez sauver ce peuple, commençons d'abord à les aimer. Commençons d'abord à leur donner beaucoup d'amour. Commençons d'abord à leur donner de l'attention. Commençons à leur dire que tu sais quoi, tu es dans la maison du Seigneur, tu es l'objet de mon attention. Écoutez, je crois que nous devons même arriver à une place, si quelqu'un, en d'autres termes, donne de l'amour à quelqu'un. Alléluia. Mais le visons de ces temps-là, oh, je dois être avec telle personne. Nous devons être ensemble. C'est notre plan. Ça, c'est l'esprit de ma tête. Mais je bénis le Seigneur pour le jour de la Pentecôte. L'esprit d'unité est venu. Le Saint-Esprit. Et la Bible enseigne qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Mes frères et sœurs, je veux vous dire une chose. Lorsque le Saint-Esprit arrive, nous allons parler en d'autres langues. Lorsque le Saint-Esprit arrive, tu vas parler en d'autres langues. Et si tu n'as jamais parlé en langue, je suis là pour te dire que tu es dans une maison où nous prions et le Saint-Esprit tombe. Et tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit et tu vas parler cette langue qui va te faire entrer dans la maison du Seigneur, qui va te faire entrer dans l'alliance du Seigneur. Et je suis là pour dire que ce jour-là, en d'autres termes, ça a été le début d'une église forte, d'un peuple fort. Et laissez-moi vous dire un peuple fort. Et laissez-moi vous dire que cette église qui est née, aucune organisation n'est beaucoup plus forte que l'église. Même l'ONU ensemble ne peut rien contre l'église. Même les portes de l'antenne que nous n'aurons point contre l'église. Il n'y a que deux choses qui sont prédestinées dans la Bible. C'est le monde qui est prédestiné à la destruction et l'église qui est prédestinée à aller au ciel. Moi, je veux faire partie de l'église. Moi, je veux faire partie de l'église. Il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Européens. Il y a le peuple de Dieu et il y a les autres. Le jour de la Pentecôte. On va lire un seul passage, les deux, tous ensemble. Je vais essayer de faire Achille. Regardez ceci. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais je crois qu'il y avait littéralement des larmes autour. Ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Main dans la main, en train d'attendre quelque chose que Dieu a promis. Ils ont attendu 10 jours. Ils ont attendu 10 jours. Et le Seigneur est venu en eux. Ils ont attendu 10 jours. Et le Seigneur est venu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, mais je veux juste que nous nous mettons ensemble. Je crois que la parole qui est sortie ne va jamais tomber à l'eau. Je crois à cette prophétie qui a été donnée. Elle va certainement s'accomplir. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 6, verset 12, la Bible dit ceci. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et j'aime beaucoup la suite du verset. Et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre.
une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Une union qui n'est pas une union en d'autres termes d'intérêt. Une union qui n'est pas une union en d'autres termes parce que il y a telle personne qui vient du même pays ou quoi que ce soit. Mais je me mets ensemble avec le frère Sylvio. Même si je ne parle pas la même langue que le frère Sylvio, j'ai été baptisé par le même esprit que lui. Le même esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui est en Sylvio. Et comment Dieu va l'utiliser, peu importe comment Dieu va l'utiliser, que Dieu l'utilise, et je prie même que Dieu l'utilise infiniment plus que moi en notre terre, parce que tout ceci est pour la cause de Dieu en notre terre. Je prie que Dieu fasse, je prie que tout ce qu'il demande, que Dieu le lui donne. Et quand tu pries pour ton frère, je prie avec tout l'amour qui est dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il est mon frère et tout comme il est baptisé par un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Hallelujah.
baptise-nous encore dans l'esprit de la Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ. Baptise-nous dans l'esprit de la Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je ressens de faire quelque chose, mes frères et sœurs. Pourquoi qu'on se lève tous ensemble. Alléluia. Nous ne sommes pas nombreux, on peut se permettre de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de nations ici. Mais nous allons symboliser notre unité ce soir. Nous allons nous tenir les mains tous ensemble. Alléluia. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier les uns pour les autres avec beaucoup d'amour. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse son œuvre à travers nous. Nous allons prier pour que le Seigneur utilise la personne qui est à côté de toi. Tu vas prier que le Seigneur l'utilise. Tu vas prier que l'esprit de la Pentecôte soit sur cette personne. Tu vas prier que le Seigneur utilise cette personne. Tu vas prier que le Seigneur fasse de telle sorte que la personne obéisse à tes commandements, à ses commandements. Tu vas prier que le Seigneur touche la personne d'une façon extraordinaire. Et nous allons élever tous ensemble nos voix. Et si tu sais connaître un peu la situation dans laquelle la personne qui est à côté de toi passe, tu vas prier pour cette situation. Tu vas prier comme si c'était toi-même qui étais dans cette situation. Tu vas demander au Seigneur d'agir dans cette situation. Et j'aimerais qu'on prie encore une fois qu'un esprit d'unité parfaite soit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix, Éternel des armées. Papa, je te rends grâce, Papa, ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous venons humblement devant toi, Seigneur Jésus. Nous venons maintenant te prier, Seigneur, Papa. Alors que nous sommes tous ensemble arrêtés, Seigneur, devant toi, Seigneur, Papa. Nous ne voulons pas tenir compte des nations dans lesquelles nous venons, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas tenir compte de la langue, Papa, que nous parlons, Seigneur. Mais nous venons, Papa, en unité devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que tu ouvres maintenant les écluses des cieux, Seigneur Jésus-Christ, sur chacun de tes fils et chacune de tes filles maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu déposes encore, Papa, l'esprit de la Pentecôte, Seigneur, Papa, en nous, Seigneur, Papa, une union parfaite, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je prie que tu utilises chacun de tes fils, Seigneur, maintenant, chacune de tes filles, Seigneur. Je prie que tu détruises la tour, Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous sommes en train de bâtir dans nos vies, Seigneur, et que toi seul devienne notre tour, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu sois notre ville, Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant, ô Dieu de Jacob, Seigneur, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, Papa, et cela pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Et je viens maintenant contre toute idée préconçue, Seigneur Jésus-Christ. Je viens maintenant contre tout ce qui ne confesse pas ton nom, Papa. Je le réprimande, mais je le réprime maintenant, Seigneur, et cela par l'autorité de la parole, de ta parole, Seigneur, et par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je prie maintenant que toute situation représentée en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, elle touche de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, que toute situation, Seigneur Jésus-Christ, soit un sujet de gloire pour ton nom, Seigneur mon Dieu, alléluia. Je viens réprimer maintenant l'esprit de l'immonde, Seigneur. Je viens réprimer l'esprit de Babel, Seigneur, alléluia. Et je confesse l'esprit de la Pentecôte au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, alléluia. Touche chacun de tes fils, Seigneur. Touche-les, Seigneur, Papa, d'une onction particulière, Seigneur, et spéciale, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ensemble, Seigneur, Papa, nous pouvons, Papa, nous puissions, Seigneur, élever la bannière de ton nom, Seigneur, et cela très haut, Seigneur, uniquement que pour la gloire de ton nom, Seigneur. Enlève toute recherche de gloire personnelle en nous, Seigneur. Enlève maintenant tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Papa, sonde-nous, Seigneur. Papa, connais-nous, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa. Fortifie ma soeur, Seigneur mon Dieu. Rencontre-les, Papa, au lieu même de leurs besoins, Seigneur mon Dieu. Pourvois, Seigneur, à tout besoin, Seigneur. Dans matériel, Seigneur. Dans spirituel, Seigneur. Dans financier, à tout point de vue, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, 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 Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Jésus, au nom de 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 Jésus.
repenti de vos péchés, que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous pouvez l'être ce soir. Nous avons un prédicateur, nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Cela peut être fait ce soir. Tu révèles le nom de Jésus et tu entres dans cette nation céleste. Peu importe ta langue, ton pays, ta couleur, ou ton niveau social. Amen. Amen. Alléluia. Serrez la main de vos frères et sœurs. Un gros câlin. Et dis à ton frère, je t'aime dans le nom de Jésus. Je t'aime dans le nom de Jésus. Thank you.